Salut les amis, on se retrouve sur CrossCode pour un épisode 3 je crois, de CrossCode. Donc, eh bien, pas plus attendre, on y va. Elle nous dit, elle nous parle, elle nous dit des choses. Elle nous parle de plusieurs trucs. Merde! Ah mais non! Ça va pas le faire là! Mais oui, parce que l'épisode... vu que j'ai eu un souci avec l'épisode 3, faut que je reprenne l'autre sauvegarde et après que je reprenne ici. Pouf pouf! Ellipse! Non, voilà! Voilà! Donc oui, je suis obligé de faire une autre sauvegarde à côté parce que j'ai eu un souci avec la sauvegarde actuelle, la sauvegarde de tout à l'heure. Et bien en fait, la vidéo que j'avais faite et deux trois autres qui n'ont pas été sur la chaîne, mais bon, que j'avais faites, je les ai malencontreusement supprimées. Donc eh bien, je dois les refaire. Donc je les refais. Donc là, je vous refais le... Je vous refais le passage où on fait l'entraînement, en fait. Pardon, je ne t'avais pas vu. Hi, salut. Bonjour. Tu es nouveau, toi aussi? Elle répond oui. Mais je n'ai pas été averti que tu étais là. Oh, alors ça veut dire... est-ce que ça voudrait dire que tu es arrivé après moi? Oui. Tu dois vraiment aller très vite pour faire le tutoriel. Mais j'irai plus vite que toi. Tu ne pourras pas me battre sur ce dernier tutoriel. On se revoit à la fin. Je t'attendrai. Au revoir. Donc là, oui, on va aller faire l'entraînement. Un Rookie Dungeon 3. Non, on aurait dû en faire deux autres. Mais justement, on a apparu sur le cargo. Donc, on a loupé deux instances. Ah tiens, ils ont ajouté un symbole welcome, une banderole welcome. C'est très hospitalier de leur part. Est-ce que tu es en train de chercher la personne de tout à l'heure, celle qui avait les cheveux rouges? Oui. Je suis désolé pour toi, mais tu ne la verras pas ici. Les instances... Chaque joueur est dans une instance séparée, du moins pour l'entraînement. Tu as trouvé plein de puzzles ici. Tu ne voudrais vraiment pas que d'autres joueurs interfèrent ici avec toi. Donc c'est juste une question de savoir qui sera le plus rapide de vous, d'accord? Allez hop. Normalement, comme on l'a déjà fait, vous devez aller un petit peu plus vite. On va ici. Et voilà. Ensuite, là, c'était ça. Ouf. La première fois, j'ai quand même mis pas mal de temps à saisir. Hein. Merde. Je dois toucher lui. Je regarde.
Juste aller de lui à lui à lui. Parce que lui justement on peut pas le toucher. Donc, voilà. Hop. Je grimpe. Si je vais là. La première fois, j'ai quand même passé 10 minutes dessus. Hein. Donc 4 minutes de plus que là. Voilà. On se concentre là. Concentration manuelle. Quick menu activated. Press an Alt Shift to open. Donc appuie sur Alt Shift et tout. Ouais. Alt Shift quoi. Ça pour avoir ça, ça, la map. Bien, recherche et tout. Donc on a une carte. Oh, pas mal. Est-ce qu'on peut s'équiper de quelque chose? Non. Tout. Hop. Deuxième partie du niveau. Ah voilà, je me disais bien que je pouvais faire le... Lequel on va faire celui du haut d'abord. Ok, on passe là. On prend la passerelle. C'était chaud ça. Je prépare le deuxième tir. Hop. Ah non, fallait que je mette la plateforme justement là. Pour monter dessus. On désactive, on est jaune, enfin rose. On réactive, on monte là-dessus, on fait tout le tour. Non, on monte pas dessus. Si, on, là, si justement, je devais remonter dessus. Et hop, je passe là. Et même en se protégeant, on perd un peu de vie quand même, de vital.
J'ai trouvé le moyen de perdre de la vie. Autrement que de me faire toucher. Non, oui, là, je parle pas beaucoup, mais j'essaie de faire ça assez rapidement parce que comme c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'aimerais bien vous montrer autre chose que ça. Je passe là. Ça, par contre, ça, j'ai galéré par contre au début pour le savoir. Surtout là pour savoir comment faire monter cette plateforme. Quel point pour vous dire que l'épisode en fait a duré une demi-heure seulement sur ça. Parce que justement, j'y arrivais pas. Le plus dur, ça a été ici. Le casse-tête le plus chiant du monde. Je crois qu'on va bien passer 10 minutes là-dessus. Heureusement qu'elle fait les sauts tout seul. Hein. Ça, c'est bien. Ah, les boss. Un de moins. Drake. Je lui ai cassé son attaque. Parce que j'ai peut-être attaqué en même temps qu'il allait m'attaquer. Hop. On va, si je me rappelle bien, à la dernière étape. Je suis de retour. Salut! Greeting from Jet and Carla. Un remerciement, je crois, de Jet and Carla. Tout est redevenu normal sur le MS Solar. Il n'y a plus de traces de l'individu bleu. J'ai essayé de retrouver des informations sur lui, mais rien, je n'ai rien trouvé. On peut être sûr et on peut être certain qu'il n'était pas connecté au jeu officiel. Je ne peux pas imaginer qu'un player régulier, un player en règle, puisse quitter Crossworld et arriver sur le bateau comme ça. C'est pas ce que veut dire Rampage, mais enfin. C'est ce que la fois je voulais dire dans le contexte de ce jeu. Voilà. Il y a beaucoup de choses très étranges ici. Et je ne mentionne pas le fait qu'il t'ait reconnu. Ta mémoire contient une fact, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais. Ta mémoire contient peut-être les réponses à tout ça. Anyway, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien le dire. Anyway, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter.
Il n'a pas besoin de s'inquiéter à propos de ça maintenant. Ton but est simple, ton but est de simplement jouer à Crossworld. D'accord. Je te verrai et je t'ai vu créer, je t'ai vu faire beaucoup de progrès. Donc, il y a une récompense pour elle. So onward. Ah oui, on a obtenu une récompense. Un caractère menu. D'accord. Check your inventory, select favorite item. Équipe item. Donc, on récupère. Équipe Rocky Blade. Équipe Rocky, on équipe les Rocky Boots. Non, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser là. Hop, les Rocky Blade. Hein? Tout est mis. Give XP at this point. Là, ils font mal ceux-là. Hein? Allez, restez à côté de moi, s'il vous plaît. Vous êtes très gentil. Assez méchants ces ennemis là. Hein. Assez chaud quand même. Hein. Pas trop non plus, mais voilà. Tu as déjà atteint le level 3, c'est étrange. Hein. Tu étais censé atteindre le level 2 à ce point. Normalement, je crois. Ah non, il n'y a pas à le changer. C'est juste comme ça. La première fois, j'ai essayé de faire changer ce petit symbole de sens. D'accord. Ça, je m'en rappelais pas que je pouvais les arrêter. Mais. Reviens là.
qui bosse par contre est un petit peu chaud, mais bon après quand on arrive à le gérer c'est bon. Mieux on peut lui breaker son... Après un peu plus tard on peut lui breaker carrément. On se replante, on retire. Celui-là il fait pas mal mal. Et là, je pourrais le bloquer en le tirant par derrière. Hein. Bon, c'était chaud, hein. C'est chaud là. Oh putain, qu'est-ce que c'est chaud là. Oulala. Oulala. Bon d'accord, on a encore pratiquement tous nos PV, mais c'est pas dit qu'on gagne. Oh si. Bam. Dès le deuxième coup. Complete. Level 4. Nice work. Bravo, beau travail. Il l'a fait super bien. Onward. 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 Donc, non, après, c'est on arrive sur le côté onward. Ready for one big update. Ouais, d'accord, pour une grosse update. Circuit activé, donc l'arbre de compétences en quelque sorte. Hein? Ok, donc là maintenant on a une barre de SP. On peut se charger. Please wait a second. I have. Attends une seconde, j'ai une upgrade pour toi. Une petite upgrade pour toi. J'ai finalement réussi à ajouter un nouveau mot à ton vocabulaire. Ouais, oui, et tu sais, ça n'a pas d'effet sur moi, c'est juste une upgrade. Ça arrive. New word, nouveau mot appris, Léa. Son prénom. C'est pas bien. I think you will need this one since I will not be able to introduce you to other person anymore. Léa. Léa, hi. Donc Léa, salut. Et après, elle s'amuse à faire des phrases avec le mot, avec son prénom. Enfin, son pseudo. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que... I know it. Je sais que ça prend du temps d'ajouter des mots, des nouveaux mots. C'est un processus très long actuellement.
Je dois le faire manuellement. I need to manually extend your tool control model. Il doit le faire manuellement. Il doit manuellement accéder à son contrôle, à son modèle, au contrôle du modèle Bell pour accéder après, pour ajouter les mots et tout ça. On y passe. Pas ça. Essentiellement pour modifier les statistiques, la statistique générée, le code de base généré essentiellement. Ce que j'arrive pas à traduire, je traduirai quand. Oui, c'est vraiment très technique. Ouais. La technologie de contrôle des avatars est très compliquée. That is an understatement. J'ai pas compris. Mais je peux comprendre vaguement. Très très vaguement. Le nouveau mot fonctionne. Je me mets tout de suite sur le prochain. Hop, bonsoir. L'épisode fera peut-être 37 minutes, mais 37 minutes max de gameplay. Je te l'avais dit, je suis la première, je dirais. Ah oui, les passages en français et en anglais, hein. C'est là qu'on voit que le jeu n'est pas totalement fini. Ah oui, mais that wasn't that fun. Ah oui, ça ne devait pas être aussi fun que moi. J'ai été vraiment surprise par le boss à la fin. Elle a dit moi aussi. En gros, tout ça m'était moi aussi. Désolé, je ne t'ai pas dit comment je m'appelais. Je m'appelle Emily, donc oui, c'est bien une fille. Je m'appelle Emily. Nickname Emily Nator. Donc comme Gouvernator, Terminator, mais c'est Emily Nator. Je sais, c'est génial. Donc, et toi, c'est quoi ton nom? Léa. Léa, nice Léa. Nice to meet you. C'est enchanté de te rencontrer. T'es prête à prendre le Sky Rails? Je pensais qu'on pourrait explorer la cité seul, but non. No, the Sky Rail will take. Non, je pensais qu'on pourrait explorer la cité ensemble, mais tu ne sais pas. Les Sky Rail nous emmènent directement à Cross Central. C'est de là, from there you'll be transported to mainland. C'est d'ici qu'on sera transporté. Envoyé au début, au mainland. You will only be able to enter Rambus Square much later. Tu seras réautorisé à venir sur Rambus Square seulement plus tard. Oui, c'est chiant, je sais. Toi là-bas! Oui, toi, la sphéromancer aux cheveux bleus. Hein? Salut. Avant, tu es juste apparu de nulle part. C'est très suspicieux. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Tu es niveau 4? Et ceci n'est pas possible, je suis forcé de l'assumer. Toi, jeune fille, tu as cheaté, tu as triché. Quoi? Monsieur,
Monsieur fait des accusations assez directes. Hein. Comment peux-tu être aussi sûr de ça? Juste parce que tu es resté au niveau 3 alors qu'elle est passée au niveau 4. Impossible. Aucun joueur n'a réussi à atteindre le niveau 4 arriver à ce point. Jeune fille, je suis assurément, je n'ai pas besoin de t'expliquer tes fautes, les agissements, non, ce que tu peux subir en faisant de la tricherie. La tricherie ne paye jamais. Ne paye jamais sur un long jeu. Aïe. C'est tout ce que tu sais. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce qui va t'arriver? Gwen, j'ai exposé un cheater ici. Et maintenant, tu es en train de lui apprendre des choses, je dirais. Oui, à propos de son action mauvaise. Et qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu penserais de non? Quoi? Je vais juste aller au-devant et prétendre que je ne te connais pas. Oh mais non! Excusez-moi, pour mon ami. Il a tendance à se prendre pour un modérateur, mais il ne l'est pas. Pas de problème. Tu ne fais rien pour attendre, c'est ça. Reflect on your action. Genre, le gars, mon dieu, qu'est-ce que c'était que ce mec? Mon dieu, quel problème il a, ce gars. J'espère que tu ne rencontreras pas d'autres joueurs comme lui. Anyway, allons-y. J'ai envie d'atteindre Rookie Arbor. Tu peux venir avec moi si tu veux. Très bien, allons-y. Oh, mon cœur s'est arrêté une seconde. C'est à cause de l'XP en plus que tu as gagné contre le Crab Boss. Et j'ai notifié ça avant. Bon, elle me dit quoi? Tu peux aller au devant. Prends juste un de ces Skyrail Terminal. Mets-toi juste dessus. Bon. On va se mettre sur celui qui est là-bas. That was fun. Can't wait to reach the mainland. Cross Central Balcony. Voilà, le Cross Central. Tu peux rapidement atteindre tous les endroits de Cross World depuis ce point-là. Mais il n'y a qu'une seule destination pour les nouveaux, Rookie Arbor. Qu'est-ce qu'elle dit? Bienvenue à Cross Central. C'est le centre de téléportation de tout le monde. Tu vas être... Ouais, en gros, ce qu'elle nous a dit la fille. On va voir un petit peu le coin. Ok, ne dis pas qu'il y a juste un téléporteur dans le coin. Là. Landmark Discover, Cross Central.
Allez, viens par ici. On en va ici alors. Non, merde. Nouvel endroit découvert. Rocky Harbor. Comment utiliser les landmarks pour voyager rapidement? Montre. Et elle est là. Fantastique! C'est à côté de la mer. Hein. Just like they said. Juste comme ils ont dit. Elle est étonnée. Elle est heureuse. La ville doit être en haut. Go, go! Go, go, go! Mais non, attends, on va visiter le coin un petit peu. Regardez là-bas, là. Il y a quelque chose. Quelque chose qu'on peut avoir. Bon, on peut pas l'avoir pour l'instant, je pense. Ah, si, peut-être. Hop là. Et voilà. Ah, je me disais bien que vous pouvez la voir. On s'en rend à Harbor. Hey, ici! Regarde tous ces anciens, tout ce style ancien de bâtiment. C'est comme si c'est it's like we are in c'est comme si on était dans un environnement médiéval dans un monde médiéval fantasy, non? Donc maintenant je dois attendre ici pour rencontrer un ami. Mais je ne l'ai pas vu mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il y a juste trop de monde. Salut! Oléro! Egg? Yeah. Sacre bleu! What the fuck? Sacre bleu! Sacre bleu! Est-ce que c'était réellement nécessaire? Oui, très nécessaire! Je vois que tu as trouvé un nouvel ami. Oui, c'est Léa. Je l'ai rencontrée pendant le tutoriel. Hi. And et ce roi noir, c'est Lucas. Aussi connu sous le nom de Schneider. Un plaisir de te rencontrer, Léa. Ouais, super. Donc tu as finalement atteint le croissant. Tu as eu du fun. Ça a été fun tout ça? Oui, énormément. Oui, énormément. Juste à la folie. Wait, attends, croissant? The mainland, you'll get the idea once you see the map. Anyway, maintenant on est à Rocky Harbor. Il est connu pour les shipments of Rocky, les arrivages de jeunes, les arrivages de newbies comme vous. C'est une belle et grande place ici. Les confusés de forcés de Rocky. Donc je vais vous donner un petit tour. Donc je vais vous montrer un petit peu tout le tour. Très bien. Suis-nous, Léa.
Premièrement, nous avons le bâtiment des infos. Donc, si tu veux vraiment des détails de Crossword, c'est ici. Les arts des combats, les skills, les states from de A à Z, c'est ici. Oh, donc c'est la zone des intellos. Oui, les gens les appellent comme ça. C'est très important de connaître des choses sur son stuff. Mais ce n'est pas. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un endroit où tu peux revenir quand tu es confus à propos de quelque chose. Allons-y. Bougeons trop pas. This one est millionnaire, toi. Nice one. I know what Schneider supposed to mean. I know Triblad. A cutscene. What? Pas le temps de traduire, là, ça passe trop vite. Merde, ils sont partis par où? Je vais faire quoi, ça? Marquer le pizza? J'adore la musique. Hein. La musique de ce jeu-là, depuis le début qu'on a commencé le jeu, ouais, je les adore. Hein. Alright, je sais plus ce que ça veut dire. Le prochain arrêt, c'est la tour du centre. La tour des marchands. Ah, c'est ça un marché? Yep. Tu pourras trouver beaucoup de marchands pas ici. Ils sont tous au niveau de la place pour être quelque chose. Tous ces marchands offrent de très bons équipements. Des équipements assez bons. Des équipements de bonne qualité. La première chose que vous devez collecter. La première chose que vous devez collecter. The catch. You first need to collect all the required trade items. Donc tu dois choper les items de merchandising requis dans la nature. En premier. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose. Plus loin, il y a un autre bâtiment important, par ici. Rambus Fontaine. Wouah, notre personnage, il aime pas la flotte, hein. Oh, ça m'a presque fait. Tu vois le bâtiment par ici? C'est le bâtiment des quêtes. Surprise, tu peux trouver plein de quêtes à l'intérieur. Comme dans beaucoup d'autres endroits en ville et autre part. Toutes ces quêtes sont bien sûr optionnelles, mais elles te donnent une récompense quand tu les as finies. Hé hey Léa, est-ce que tu es avec nous? Oui, elle est très silencieuse. Mais elle a été très rapide au tutoriel et m'a battu. Ouais, l'accès quiet, bombardier.
Ouais, je sais ce que ça veut dire. Oui, et à propos des quêtes principales, ils ont parlé d'une tracte des anciens. Oh, oui, j'allais oublier ça. Tu dois entrer dans le bâtiment des quests. Anyway. Il y a une mandatory introduction pour tous les joueurs. Ils expliquent tout à propos de ça. Je vous propose d'aller à l'intérieur et. Je vous propose de continuer tout droit et d'aller à l'intérieur. Je vous attends ici. D'accord, allons-y, Léa. Et donc, nous, on va s'arrêter là. Donc, eh bien, si l'épisode vous a plu, si cet épisode 3 vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner, partager. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de CrossCode ou d'une autre série.